Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Quelquefois, quand Dieu veut rentrer dans nos combats et nous donner la victoire, il nous propose le silence. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Comme pour dire, si vous voulez parler, alors je vous laisserai vous battre seul. Mais si vous voulez que j'intervienne en votre faveur, gardez silence. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Est-ce que vous savez vous taire de temps en temps? J'entends un voisin sincère qui dit, moi, pas beaucoup. Dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, au verset 26, encore le silence est présenté dans ses vertus. Le prophète, parlant de la part du Seigneur, dit, il est bon d'entendre en silence les secours de l'Éternel. Il est bon. Il est bon. La version Nouvelle Bible, seconde, dit, c'est une bonne chose d'entendre en silence les secours du Seigneur. Jacques-André Vernon disait, les mauvaises paroles sont comme un clou enfoncé dans du bois. Vous savez, quand vous enfoncez un clou dans du bois, vous allez voir peut-être après les clous, mais les trous restent. Se taire, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que nous aimons nous justifier? Surtout aujourd'hui avec Facebook, parole contre parole. Un frère m'a dit un jour, il ouvre son Facebook, on l'accuse faussement vers 23h, il dit, j'ai envie que les aiguilles de la montre tournent, que demain les gens voient ma réplique. Le Seigneur parlant par la bouche du prophète, il dit, voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, les sages s'étaient. Car les temps sont mauvais. La sagesse nous rendra capables de dire, est-ce que je dois parler maintenant? Ou je dois me taire? Je définis ça vraiment la sagesse comme la connaissance, mais appliquée. En des temps comme ceux-ci, les sages s'étaient. La version top dit l'homme avisé. La version Martin dit l'homme prudent. C'est ces terres. Proverbe chapitre 11, verset 12, placez-moi ce passage, merveilleux passage. La Bible déclare, l'homme qui a l'intelligence, c'est quand se taire, il sait quand se taire. Proverbe 17, au verset 28, dit, celui qui sait quand il doit fermer les lèvres est un homme intelligent. Celui qui sait quand il doit fermer les lèvres est un homme intelligent. Sixième vérité attachée au silence. Des fois, Dieu nous imposera le silence. C'est non seulement l'inaction verbale, mais l'inaction tout court. Sixième vérité attachée au silence, c'est que contrairement à ce que l'on peut penser sur tout le monde, le silence ou l'absence des réactions n'est pas toujours signe de faiblesse. C'est plutôt souvent un signe de force, pas force extérieure, mais force intérieure. Le silence est un signe de force de caractère et de maîtrise de soi. C'est lui qui s'est tait par choix, qui choisit de se taire alors qu'il peut parler, alors qu'il a des choses à dire, il est fort. C'est lui celle qui choisit de garder le silence, prouve deux choses, la maturité. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, nous enseignant sur la maturité spirituelle, nous a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. La première, il a dit, la vraie maturité ne se mesure pas par nos actions, elle se mesure surtout par nos réactions. Et il a dit la deuxième des choses, il a dit, sur le chemin de la vie, nous ne serons pas toujours maîtres des actions des gens vis-à-vis de nous, mais nous serons toujours maîtres de nos réactions. C'est que les gens nous font, des fois nous ne les conditionnons pas. Quelqu'un peut te rencontrer, il t'injure, un imbécile. Ça c'est lui. Mais tu as le choix de te taire. Lui a dit seulement imbécile, ou alors d'en ajouter sept. Le silence et la capacité à dominer
son homme intérieur. Le silence montre aussi que nous sommes morts à nous-mêmes. La maturité dans la vie chrétienne ne se mesure pas par la longévité dans la foi, mais par la capacité à vivre et à pratiquer la parole de Dieu. Le silence coûte à celle ou à celui qui le pratique. Ça coûte de voir sa réputation être traînée à la boue. Ça coûte de voir qu'on vous traite, on vous présente sous un jour qui n'est pas le vrai. Ça coûte. Mais deuxième facette, c'est que le silence rapporte. Le silence peut nous coûter notre réputation parce qu'on dit qu'il ne dit mot qu'on sent. Parce qu'il se tue, donc c'est que c'est vrai. Ça peut toucher notre amour propre et notre ego. Ça nous fera souffrir et ça nous donnera l'impression que nous laissons les autres prendre l'ascendant. Et même, ça nous donnera l'impression aux autres que nous sommes faibles. Nous manquons d'arguments, nous manquons d'éléments de défense. Et même certains peuvent dire au travers de notre silence que nous sommes fautifs, coupables. Mais j'ai vu quelquefois les silences apaisent les querelles. Le silence calme les tensions. Le silence empêche quelquefois que les tensions s'enveniment. Mais comme je l'ai dit au début, le silence dans ma petite marche avec Dieu est souvent l'occasion dont Dieu se sert comme moyen pour remettre les pendules à l'heure. J'essaie de m'imaginer la fois dernière. Si Jésus avait vécu à l'époque de Facebook, ça aurait été terrible. Il guérit quelqu'un en crachant et en mélangeant salive et boue. Et il met sur les yeux. Je vois le lendemain les magiciens de Nazareth. Tout se confirme, ce n'est qu'un magicien. Il parle à un endroit, on dit, il est hors de lui. Il égare la foule. Mais en aucun moment, il s'est justifié. Et si le silence est nécessaire devant les hommes, on peut être silencieux devant les hommes, mais être bavard devant Dieu. On peut se taire devant les hommes et aller parler devant Dieu. Il nous parle d'une femme qui s'appelait Pénina. Elle était dans un couple polygame et sa rivale l'a mortifiée. Les mots mortification veut dire que, allez, elle voulait toucher son amour propre et la pousser à voir qu'elle n'est qu'un bon à rien. Nulle part on voit Pénina, plutôt Anne, argumenter avec Pénina. Mais Anne fait quelque chose que j'aime beaucoup. En Samuel chapitre 1er, verset 10, Pénina la mortifie. Elle s'est mise à prier le Seigneur et à pleurer abondamment. On la touche dans son amour propre devant les hommes, elle s'était, mais elle va s'exprimer à un endroit. Devant Dieu, à nous parler dans son cœur. Seules ses lèvres remuées, on n'entendait pas sa voix. Et lui pensant qu'elle était ivre. Peut monter. Et ma Bible à moi dit quand le juste écrit, l'Éternel entend et de toutes ses détresses. Il dit au verset 3, lui c'est bon, dit, ne parle plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne soit plus dans votre cœur. Ne multipliez pas les paroles hautaines, qu'aucune insolence ne sorte de votre bouche, car le Seigneur est un Dieu qui connaît tout. Par lui sont pesés tous les agissements. Seigneur, prends soin de moi.
vivre ton amour. Comment? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu et qui suis-je? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi. Garde-moi, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Oui, prends soin de moi. Est-ce qu'on peut les chanter une dernière fois? Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Oui, de moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis rien. Tu le sais. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.